La mort d'un frère ou d'une sœur, alors qu'on est encore enfant ou adolescent, fait partie des histoires de vie qui marquent fortement. Du jour où elle est morte, eh ben, elle était complètement morte. Enfin, elle n'existait plus. J'étais pas née quand mon frère était né. Les blessures sont parfois difficiles à nommer. Quelques enfants et adolescents ont accepté de participer à deux week-ends de rencontres dans un gîte de montagne pour aborder ensemble leur deuil récent ou un peu plus ancien. Donc on compare tout avec sa mort. Pour moi, il est au cimetière, il est avec moi. Mais il y a cette trace qui est là, qui vous accompagne. Une psychothérapeute, un art-thérapeute et un musicien vont leur proposer des temps créatifs et d'échanges qui favorisent l'expression de chacun.